Nous avons prié et recommandé ce temps entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous parler. Que le Seigneur puisse nous être favorable. Parce que c'est lui qui nous a appelés ce soir. Nous allons prier. Prie là où tu es. Recommande les prédicateurs entre les mains de Dieu. Recommande ton entendement spirituel. Parce que le salut est attaché à vous.
Parce que ce qu'il a fait est plus que tout.
fraîche. C'est lui notre bon sauveur. Notre berger fidèle. Lui, Jésus-Christ. Si nous pouvons vous enseigner à mettre en pratique la parole, c'est toujours un retour de l'œuvre que lui a accomplie à la croix. C'est une façon de lui être reconnaissant. C'est une façon de lui être reconnaissant. C'est la manière de lui être reconnaissant. Je suis précis. Et ça, nous l'aider à cause à la montée aux hommes qui me l'ont pas sali. Amen. La façon de lui être reconnaissant. Mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est ce que lui a fait. C'est plus grand. Et Jésus paie à tout. Et moi je lui dois tout. Lorsque la Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, lui un serviteur de Dieu qui craignait l'Éternel, mais qui est mort, mais il est mort endetté, débiteur de quelqu'un. Cet homme-là n'est pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il a payé tout. Jésus n'est pas mort débiteur de quelqu'un. Il a tout payé pour notre vie. À la croix, il a dit tout est accompli. Lui n'a la tête de personne. Ce sont les gens qui ont la tête de lui, Jésus-Christ. Mais lui n'a la tête de personne. Il avait tout accompli. Il avait tout payé pour ta vie. Il avait tout payé pour ton âme. Le Seigneur avait dit à Moïse, je donne l'âme sur la tête. Le sang qui est sur l'autel, je le donne. Ce sera l'âme pour faire l'expiation de vos âmes. C'est une seule âme, mais qui fait l'expiation de plusieurs âmes. C'est ce que Esaïe dit dans Esaïe 53. Par le travail de son âme, et que mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui est là sur l'autel. Le sang qui était sur l'autel. Pour ta vie. Amen. C'est pourquoi tu dois lui être reconnaissant. Quand tu chantes de tout ton cœur. Quand tu viens écouter la parole, tu le fais de toute ton âme. Tu donnes toute ton âme. Parce que tu viens écouter celui qui t'a racheté. Il n'est pas comme tous les hommes, frère. Je vous avais dit la fois passée. La description de la femme des cantiques des cantiques. La description que cette femme-là faisait au sujet de son épouse. Il dit, fille de Jérusalem, je vous conjure, si vous avez vu mon bien-aimé, dites-lui que j'ai la maladie d'amour. On lui a posé la question, qu'as-tu ton bien-aimé plus qu'un autre? Il a dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Dans la côte au Mibali, 10 000.
voir. Mais au vert de sa vie. Ce qui le distingue des autres, il est blanc. Dans l'ancienne alliance, il y avait aussi un mari. Qui était Moïse. La loi. Il était l'époux d'Israël. Mais il n'était pas comme l'époux des cantiques des cantiques. Nous avons aussi des maris. Nous avons beaucoup de dieux dans ce monde. Ils ne sont pas comme Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Oh, lui, il est blanc et vermeil. Je veux dire, la couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Chez d'autres mariés, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de justification en dehors de Jésus-Christ. Tu n'es pas justifié devant Dieu sans Jésus-Christ. Même Moïse, frère, n'avait pas justifié les gens. Ce jour-là, lorsque le peuple voulait rencontrer Dieu, Dieu l'a envoyé. Il descend. Il va laver le peuple. Petite portion, après pas les saisir. Quel moment on dit la possibilité? Est-ce que ça
Il y a d'autres qui servent Dieu, mais qui ne le suivent pas.
Mais nous voulons vraiment servir Dieu en les suivant. C'est ce que même on prêche. Vous voyez les baisers dans la Bible. Quand on donne à quelqu'un le baiser, cela veut dire j'ai tué mon ami. J'ai l'amour pour toi. Ça se faisait pas seulement de manière mixte, hommes et femmes. Connaissance. Oui, la connaissance. Oui,
Amen. La condition de Dieu, c'est très important. Nous parlons maintenant sur la piété. Amen. Amen. Vous allez dire pour la matamana, la piété, c'est le respect des choses spirituelles. On appelle ça d'autres termes en français la dévotion. Voilà, la dévotion. On appelle le respect, la révérence des choses de Dieu. Nous allons lire l'écriture. Nous sommes dans Osée chapitre 6. Il faut beaucoup s'attacher à la connaissance de Dieu, frère. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas nous laisser un jour. Le Seigneur m'avait éclairé sur une chose. Nous allons parler des gens qui ont abandonné la foi. Hébreux chapitre 6. Il parlait de ça par rapport à la parole d'adulte et aux éléments de base. Voilà. Donc on doit avoir la parole d'adulte. Tu dois désirer ça. L'enseignement d'adulte. Ok, comme ça. Amen. Parce que si tu n'en as pas, tu seras facilement détaché de ton lieu. C'est l'enseignement qui permet d'affermir ta foi. Amen. On avait parlé aussi de poser des questions. Si tu as des questions, pose-les ici. Ça va édifier plusieurs. Amen. Ne garde pas ça seulement pour toi-même. Je vais poser après. Notre église, c'est l'église de questions-réponses. Les prédicateurs ne refusent pas les questions. Si quelque chose est mal posé, par humilité, il va enlever ça. Amen. Parce qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. Je prends Osée chapitre 6. Je prends le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Juste au verset 6. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Hein? Votre piété est comme la nuée du matin. Comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par le prophète. Je les tuerai par les paroles de ma bouche. Et les jugements éclateront comme la lumière. Pourquoi? Car j'aime la piété et non les sacrifices. Et j'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Nous prenons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous prenons même à partir du verset 26. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Commençons même à partir du verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, Ceux qui ont échappé,
c'est lui qui publiait les oracles sur la terre. Donc quand Dieu parlait là-bas sur la dans les cieux, sur la montagne. Donc les gens n'ont pas écouté, les gens n'ont pas obéi. Parle de Moïse. C'est de ça d'abord qu'on parle ici. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Amen. Amen. Lui. Yeah. Donc la voix ébranla la terre. Et qui maintenant a fait cette promesse? Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots. Une fois encore, indique les changements des choses ébranlées. Indique les changements des choses ébranlées. Comme étant fait pour un temps. Comme indique Salamanata, pour la Kakatango, les choses ébranlées là. Pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, réservant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance en rendant Dieu, un culte qui lui est agréable, avec piété, et avec crainte. Pourquoi? Car notre Dieu est aussi un feu vivant. Ici on vient de lire sur la piété. On montre les seigneurs. Il est en train de dire au prophète. De dire à Israël qui est dans l'iniquité. De dire à Israël qui est dans le péché. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur faire? Il va les frapper par les prophètes. Il va les frapper par les paroles. Et ces jugements vont éclater en pleine lumière. Frapper par les prophètes. Cela veut dire qu'il envoie un prophète. Il prononce le malheur sur Israël. Et le malheur s'accomplit. Amen. Amen. Pourquoi? Car j'aime la piété et non les sacrifices. Cela veut dire que les peuples n'étaient plus dans la vie de la piété. Les peuples n'étaient plus dans le respect des choses sacrées. Parce que la piété, c'est le respect des choses spirituelles. Et dans les cadres de notre enseignement, c'est l'un des yeux de la foi. Et ça doit être en abondance dans les croyants. Dans les croyants, on doit trouver le respect des choses de Dieu. C'est là des pas. Si ces choses-là ne sont pas dans les croyants, les croyants ne verront pas Dieu non plus. Parce que Dieu dit d'abord la piété. La piété des choses spirituelles. Pourquoi? On vient nous l'expliquer dans Hébreux chapitre 12. On dit ceci. Dieu avait fait la promesse.
tué. Et pour somme de cet échappé du châtiment de Dieu. Et il a compris plus fort raison. Alors, nous allons nous échapper. Si nous refusons d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Lorsque Moïse entrait dans la tente de l'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire. Du haut du propitiatoire. Propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche. On a appelé ça propitiatoire. Donc cela apporte la grâce de Dieu. Donc tu as découvert que par exemple de la marmite, maintenant appelé ça un adjectif qualificatif propitiatoire. Amen. Amen. Ça c'est la folie, frère. C'est-à-dire si ça n'y est pas là. Entre les chérubins, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Il n'y a aucune écriture. Lorsque l'Éternel, lorsqu'il a, on a érigé le tabernacle, on a appelé encore Moïse la montagne. Il y a des gens qui créent la confusion. Encore. Je ne parlerai pas seulement la terre,
Mais j'ai prendrai aussi les siennes. Cette promesse-là, c'est dans les livres de Agé chapitre 2. Et là-bas, on dit Agé chapitre 2. On dit ébranler là. Cela veut dire faire en sorte qu'il y ait changement. Et que la posala est bon wana ébranler. Des choses. C'est-à-dire les choses qui étaient avant, c'était des choses qui étaient faciles, mais bon là. Cette chose a débranlé, là, cette nature-là, débranlable. C'est par rapport à ce que les choses n'étaient données que pour un temps. Maintenant, Dieu, pour travailler avec les cibles. Qu'est-ce qu'il fait? Il ébranle. Cela veut dire qu'il change les choses. Pour changer les dispensations, par exemple, de la loi vers la grâce, il doit ébranler les ciels et la terre. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est monté à la croix, on dit la terre tremble. Et le soleil s'est couché en plein midi. Cela veut dire qu'il a changé la loi, la grâce. Vous voyez? Pour changer aussi le système de ce monde. Les injustices. Des grands de ce monde qui asservissent ces peuples. Des famines. Des guerres. Toute cette situation-là. On doit montrer dans la prophétie l'image de branler les ciels et la terre. On doit montrer, la Bible doit montrer dans la prophétie l'ébranlement des cieux et de la terre. Et pourquoi dans les sixième saut, lorsque l'avion ouvrit le sixième saut, on dit qu'il y a eu ébranlement dans les cieux et sur la terre. C'est la colère de l'agneau. C'est pourquoi? Pour enlever le système de ce monde. L'évangile que nous avons, c'est
de cet évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Je me disais hier, il y a un débat. Un frère lui a dit que l'évangile éternel ne se prêche pas encore aujourd'hui. Et l'évangile se prêchera. Il faut lui poser la question, alors qu'est-ce qu'on prêche aujourd'hui? Parce que la Bible dit, nous n'avons qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a plusieurs personnes qui vous troublent. À part cette parole de la grâce ici, et il n'y a pas d'autre parole que Dieu viendra encore donner avec certaines dispositions. Le premier respect des choses spirituelles, la première chose spirituelle,
yakotosi a respecté dans le cadre de la piété. Et yakotosi amo na oyo kokoka koko kisanisa na kotosi d'abord les saintes écritures. Et là par l'émotionnel ma commis est saint. Les saintes écritures ma commis est saint. Si tu n'as pas égard aux saintes écritures, zotosa ma commis est saint pour te zotosa ma commis est piété frère. Ozali na kotosi na makabaza piété. Mais on vient te dire, l'écriture ne dit pas ça. Ni combien le bimbote. La parole ne dit pas ça. Ni le balançant le bimbote. La piété, tu dois laisser ça. Et que la motos, et c'est que le petit caillou. Si tu dois le contredire, donc lui encore une écriture. Pour le moment, il faut. Ce qui au ligne au cocanacote, il ne faut pas faire des choses par force. Parce que la piété, on dit le respect des choses sacrées. Des choses que Dieu lui-même a sanctifiées, a mis à part. Les choses que Dieu lui-même a sanctifiées. On dit l'écriture. Et quelle l'écriture de Dieu? Et ça commis à Zambé. Et les pierres, c'est ma banque. Et les pierres que Dieu lui-même avait taillées. Et là, qui m'a banque à Zambé, il y a mon bonnet, ça qui a mort. La chose qui appartient à Dieu. Et l'homme est allé à Zambé. Il était sanctifié. Et c'est pour lui, ça m'a. Toi, maintenant, tu respectes ça. Car je sens qu'il y a un poteau, ça y a mort. Tu as la piété. Et tu vas prouver que vous allez dans un poteau. Dieu, c'est un homme pieux. Vous allez monter à l'immédiat. Si vous ne faites pas ça. Séparer ce qui est
les chaises, les chaises de l'église. Ce sont des choses à respecter, frère. Ce n'est pas que tu as la fête chez toi. Et maintenant, tu viens prendre le chien, tu l'écris sur le chien. Les ceux qui avaient amené ces chaises-là, ils l'avaient amené aussi pour des fêtes éventuelles chez toi. Il est tombé. Pourquoi? Il s'est joué avec les instances de la
Par exemple, les prédicateurs, ce sont des choses sacrées. On dit tu regarderas le sacrificateur comme un homme saint. Vous savez, vous, aujourd'hui, dans les communautés, dans les assemblées, les gens ont facilement du respect au ministre. Les gens enferment facilement les hommes de Dieu. Rosée du matin. La rosée du matin.
qui se dissipe. Vous voyez, le matin lorsque tu te réveilles, dans les prairies, dans les prairies, le matin, il y a comme la rosée. Mais lorsque le soleil va paraître, il y aura l'évaporation comme on t'a enseigné en physique. C'est là, où le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur a vu la piété d'Israël en ce temps-là. Il n'arrivait pas à garder la piété longtemps. Mais nous, on nous dit, ça doit être en abondance. On doit avoir choses de Dieu. Surtout quand un ministre de Dieu te dit quelque chose. Tu dois le savoir. Et les ministres sont des bergers. La bénédiction passe par l'obéissance. Excuse-moi même 2 minutes. Tu reçois un prédicateur chez toi. On a honte de parler de ces choses. Tu reçois un prédicateur chez toi. Même si c'est à l'improviste. Il ne faut pas les laisser partir comme ça. Si tu as l'argent, donne-lui. À manger, retiens-le. C'est comme ça que c'était dans la Bible. Parce que ce sont des gens sacrés, on les appelle des saints hommes de Dieu. C'est lui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète, il recevra la récompense des prophètes. Vous voyez la femme tsunamite. Les prophètes venaient tout le temps chez elle. Il mange, il part, il passe son chemin. Mais ce jour-là, la femme a dit à son mari, c'est toi qui viens tout le temps manger chez nous et repartir. Et est un saint homme de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Bâtissons pour lui une chambre haute. Elle s'approche maintenant de sa bénédiction. Le prophète qu'il avait reçu, le prophète qu'il avait considéré sacré,
Lazare, le prophète a ressuscité l'enfant. Parce qu'il avait considéré comme sacré, comme mis à part. Porteur de la parole de Dieu. Comme quelqu'un ou quelque chose de sacré. C'est pourquoi elle avait aussi reçu la récompense des prophètes. Ne laissez jamais l'homme de Dieu venir chez vous et repartir comme ça. Ce jour-là, je n'avais rien vu. Je l'avais donné, je n'ai rien vu. Cette femme aussi était comme ça. Moi, je on ne peut pas parler des nombres de fois qu'Élisée était passé chez lui. Combien de fois on a dit seulement il venait. Amen. Amen. On dit cette femme était une femme de distinction. Je crois que vous aussi vous êtes des femmes de distinction. Un peuple que Dieu a distingué. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable. Nous soupirons nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour la prédication de ce soir. Que le Seigneur qui a permis que tu sois ici, qu'il soit béni, que cette parole puisse être en fruit dans ton cœur. Alobawe fan na nasia motema na openza. Ozala ngota bonyos. Osepela na kubika. Oezali botos limeni na makambo na Nzambe. Tout ça bien na kombo na Yesu Christ. Seigneur le roi de gloire, le Dieu de miséricorde. Soyez pas naïo les Dieu qui nous a parlé de la piété. Je ne bénis ni solo pour parler au Messie à Yesu. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Je suis pris au Père de toi. La sombre vallée n'a plus de mal. Oh Dieu Seigneur, nous avons besoin de toi, les dieux de grâce et de miséricorde. Merci Seigneur pour la parole. Nous demandons Seigneur que tu grâces à nous la crainte, Jésus. Oh Dieu, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, Jésus. Merci Seigneur pour la parole. Mais la crainte. Merci pour la parole. Et pour la parole, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Véritable Seigneur. Nous connaissons la crainte dans toute ma vie. Que j'ai le respect des choses sacrées. Nous connaissons la mobile que les a permanentes. Et ça la recon la rosée que on est pourri. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier à Dieu. Jamais, s'il te plaît.
cœur, mon Dieu. Je vais encore recommander tous ces temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, te remercie. Merci pour la sanctifier sous la bouclée. Merci pour être au tas de symboles de pour la même ma mission à mon bagui, la moto sinaïo, kaka la moto sinaïo, même la milo cognon soyo, et bien gagné la combo naïo. Soit le combo congé, prêtez au coupé sa mission ma casse, au coupé sa mission ma coquille. Yakubanga, Yakutosa, oyo nyonso touti koyoka na mpoko ya lelo. Nayebi ete Nzambe liloba oyo epetoli kaka milimo na biso te, kasi ememi mpe miyano na mituna na biso. Po ete kati na mitungisi na biso Nzambe to ya libota, na mikakatano na bango babelelaka epai na yo, otindelaka bango eloko mosusu te, otindaka liloba mpe liloba ezalaki eyano na bango. Totimi ete na poko ya lelo toyaki tozala mitungisi, me a cause de cette parole tozongi Nzambe, nous a consolés au nom de Jésus. À cause de cette parole, ba oyo bayaki baza malade, nantimiete de cette parole, il y a la guérison. À cause de cette parole, ba oyo bazaki maudit, mais seulement à cause de cette parole, baza béni. Ba oyo bakanaki déjà au sala ba gomade, mais à cause seulement de cette parole, m'a protégé. Il est écrit, l'enchantement n'est pas contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tout plan que l'ennemi a bokisaki, bandoki bakanaki, ba planifiaki, contre moko na moko, seulement cette parole et annulé nyos. Na kumpa na Yesu Kristo. Totinyete tosomi mawa na elonga makasi. Totinyete tosomi mawa na lobiko. Totinyete tosomi mawa na kimia. Avec une grande consolation. Voilà pourquoi tosomi tombo na yo. Tosomi bete na yo mabo. Tosomi kumi sa yo. Prete rozami sa. Omo kina le kumu pe na masanjo. Merci Jésus. Parce que ça dit. Zambe a pambola moko na moko. Zambe a pambola omingyo ina poko ya lelo. Abungela una likambo nyonso ndenge motea uti na koloba. Toleki service na biso ya ofrande na loboko na biso ya mwasi ezali 3 ya prédicateur.